Ma Togo n'était pas comme ça. Tomoni société Oyo JMC et pour réhabiliter Nzela pour Nzela vraiment elle a qui pena mitu que les gars soutiennent. Nous encourageons ce genre de travail. Bonjour Banambuka, bonjour Banakumina Kalamu. Nous sommes tous à Kati à Komina Kalamu. Plus précisément sur l'avenue Ikelemba. Nenge to annonce Kibino le lundi lancement et abat travaux na chantier Oyo. Na entreprise ya Banamboka, entreprise ya Yo, entreprise Nangai, Otobeng na Kombo ya JMC. Et aujourd'hui nous sommes vendredi, nous sommes là enfin de vous montrer la suite de travaux. Le Lengeni ni Banamboka JMC, parce qu'on a toujours souligné que c'est une main-d'œuvre congolaise qui travaille ici. Une fois que Mona, le Lengeni ni Banamboka, Badali Kosala Moussala Koto, Yone Badali Kosala faire avancer la travaux d'une manière très rapide. Toko Tika, Malobana, Bato Bavanaka, Zinga Zinga, Po, Bapesa, Nabino Banamboka, Kongo Bozali na Kinshasa, Pe na Libanda Yamboka, Ba Impression na Bango, Pe, Na Ba Ingénieur, Oba pour expliquer Bisso d'une manière détaillé le lengeni nsa ezali kosalema awa pe ezali na cadre ya projet nini pe ekosala combien de durée bola na nengo ezali kokende e bandeli kino suka on y va. Mais pour le moment, tout le monde est pour nous méliter, pour nous travailler vraiment, pour nous méliter, tout le monde est vraiment, pour nous vivre pour les bêtons. Mais ça, c'est vraiment bien, au monde à quartier, comme on est la pénale, l'engue est à la rage, pour faire avancer.
Je crois que les études déjà se réalisées. Maintenant, on est là pour exécuter. C'est-à-dire que nous sommes pour exécuter Oyo, Salama qui est ici. Maintenant, là, je vais mettre mon rôle là, tout y est. Juste Thérèse là qui n'a pas autre bien à Kabambeba, Bamika Katan. La place est à Kabambe. Maintenant, na koya na biso. Tous en autre salle, quand tu viens à l'étude milliers, ils ont étude milliers, tu comaki avec le chef de projet, tous en accordons et puis tous en chef de chantier. On a essayé de palper aussi maintenant en réalité, ça c'est terrain où on est tu comaki parce que les études c'est autre chose, réaliser aussi cette chose. Parce que souvent à la casse, ceux qui ont commis un terrain, en réalité, c'est comme un terrain là, c'est un cas pragmatique. C'est-à-dire que vous allez non, pour faire ça, tout s'adapter pour tout évoluer. Maintenant, il y a un rôle des alliés où je mets le programme. Il faut que vous ayez tous les pays où vous avez des pentes, des réglages à bas niveau, pour tout faire ça, pour tout le monde, pour les cadres. C'est-à-dire, chef de chantier, donc les BTP, ou les cavates, ma bende naïe. Avant ça, les réglages naïe, les bailles, les coupages naïe, les PCR naïe. Donc, jamais tu pourras faire les capots n'a pas réglé je vois n'a ni mon moni de sali ah net au banner banana et banelli aux autres les cartes que si tu parles n'est ni de l'équipe si pour bouer maintenant en chien et koya et soigner bisous à place pour you et ça là qui m'a pas difficulté bah au tobé en alinga la mika katano bambébé ça là qui se fait bon ici et comme une norme n'est ni c'est par rapport à pente aux a qui demandé et puis là maintenant continuer moussou et aux alarmes moi là et t'as que tu pourras on a besoin d'un moment à tous les qui te fait et puis tout ça puis qu'on en surveillance suivi à hauteur la haute fait ça qui est à la respecter là bas apparaît tout ça.
projet, c'est toujours dans les 100 jours, dans le cadre du projet HLP l'État. À Pessaki, on était sur l'avenue Victoire, on a déjà fini. Donc, il y a un projet à l'avenue Kelemba et Badjogo. C'est juste dans le cadre de 100 jours, on a dit. Bon. Comme au Bozomona, Moussala et Sosala, on a déjà, ça fait depuis les lundis qu'on est là. D'abord, coup de chapeau à mon boss, Tony Matala, parce que c'est un monsieur, Sobiso, on a un technicien sur le chantier Kosengi, à la Pombité. Donc, il est là vraiment pour nous ratailler. Donc c'est grâce à lui, nous à tout moment où on a pas véhicule, à matériel, au quota, matériel. Donc on est en train d'accélérer les choses, de sorte que nous allons pas éviter tous en haut. Il y a bah, quelques jours seulement, donc dans un mois là, vous verrez qu'il y aura un grand changement sur ce pied. D'ailleurs, ma tongue n'était pas comme ça. Ma tongue était asphaltée. Tout fléau était asphalté. Mais les routes sont abîmées. Il y a des égouts qui ne sont pas bien entretenus. Il y a beaucoup de phénomènes qui ont fait que nous arrivons à ce stade ici. Mais ce n'est pas la première fois qu'on fait ce travail. Les années écoulées, il y avait une manifestation qui s'est tenue ici. On a fait ce qu'on appelait boucle de ma tongue. On a rangé les Badjoko, les Bonga, juste un peu vers ma tongue 2. C'était très bien. Alors cette fois ici, au cours d'une réunion, M. le Gourmet nous avait parlé du fait qu'on va encore faire le même travail, mais ils seront prolongés jusqu'au niveau de l'avenue Stolou. Le problème ici, c'est le suivi, hein, surtout le curage des caniveaux. Si les caniveaux sont bien curés, ici, il y avait d'abord il y a une organisation de Matongue. Les bancs à Matongue ont essayé de curer ici cette avenue. Il y a un grand... niveau ici, hein. Mais vous voyez, ce ne sont pas des techniciens à la matière. Ma tongue en soi recueille toute la saleté, tous les déchets qui viennent de Kasabobo, Girigiri, pour déverser. Avant de se verser au fleuve, ça transite par ma tongue. Donc il faut vraiment une équipe permanente d'entretien au niveau de ma tongue pour éviter ce qu'on a déploré. Heureusement, chez nous, il n'y avait pas eu de déchets. Dans un premier temps, tout ça pour remercier Luna, puis tout ça pour remercier le gouvernement central, l'opération Baba qui nous retrouve. Le nom c'est le quartier Matongue. Ce quartier Matongue, c'est un quartier mon phare dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que nous avons tout un parce que tout le monde est pour mille là. Nous avons reçu plus de temps au Macaï des balles. Mais ça, on tellement trop. Mais tout le monde est venu pour un système à béton. C'est là où nous sommes tellement contents de comprendre, en tout cas. Nous sommes très contents au nom de tous les habitants de l'île. Si vous constatez la population, il faut battre l'eau, battre sous mon pied, mon cassé. En tant que superviseur, on va faire le suivi. Surtout, on a béni Badjogo, tous les avions, les terrasses, tout ça, on va le suivre dans une manière correcte. Parce que l'endamment qui nous a là, on se fait la tour, battre la rue, on va dire un petit. On a du lobby et de la monde. Se retrouve phase 2. Nous sommes sur l'avenue, comme vous l'avez bien précisé, nous sommes sur l'avenue, les avenues Badjogo, Ikelemba et Bungu. Alors nous sommes en train d'y habiliter 450 mètres. Ce sera la chaussée rigide parce qu'elle sera bétonnée.
Chère communauté JMC, chers téléspectateurs, na banze de binomoro moni lo lengenin JMC a kitisi banje nyonso banje lourd na yena terrain pour na kosala musala oyo pour na ko respecter délai na ndenge ba lobby yango na ba intervention binomoro bolandi ba cadre JMC lengenin ba peseli yango pe mingi mingi population parce que cet ouvrage est un travaux publics qui dit travaux publics ngo lo ba été eza pour na bato nyonso bana mboka ba peseli yango ba pesi ba vie na bango ba intervention na bango na wetali nzela oyo. Quant à moi, je vous dis un grand merci et je vous demande juste de rester connecté pour na kolanda kinosuka ya musala oyo pour na ete boye balolenge nini JMC oya mwana mboka Johnny Matala ali ko sala musala ali ko pesela yango pour na ko accompagner mokonzi ya mboka son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi di Tshilombo. Encore une fois de plus, merci, comme on a toujours dit, JMC pour un Congo meilleur.